Bonjour et bienvenue sur Green Hell. Ah, j'ai des sangsues qui viennent d'arriver. On les a pas invités. Alors, elles sont quelque part par là. Voilà, dégagé. Voilà, c'est bon. Alors, je suis revenu sur mes pas en arrière, là où j'étais monté deux fois par là-bas après avoir marché dans les marécages. Et j'ai continué sur la droite vers l'est et j'arrive à un camp. Voilà, il n'y a personne, hein, je viens d'y aller. J'arrive à un camp où ben, il pleut toujours. J'ai coupé quelques arbres, j'ai tué une tortue pour avoir un petit peu de boisson parce que j'ai vraiment soif. Voilà, un camp où je vais peut-être. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans ces machins-là? J'ai juste coupé des arbres pour pouvoir me faire des abris, un abri. Là, il y a quoi? J'ai pas inspecté. Conserve vide, non, il n'y a rien. Ici, on peut peut-être rentrer par là, non? Non, la porte est fermée. Là, il y a encore une tente, on dirait. Ouais. Là, on a des lits, c'est bon, on est à l'abri. Bien qu'on dirait qu'il pleuve à l'intérieur, on pourra dormir ici. Il y a quoi là? Il n'y a rien de bien. Des masques à gaz, des bidons, des godasses, du bœuf séché. Ouais, on va prendre. Jerrican, rien de bien ici. Les en boîte, j'en ai pris une boîte déjà. D'ailleurs, si je. Il me manque quoi là? Un peu de tout et surtout de l'eau. On va peut-être goûter la boîte, la 15 protéines, 15 lipides, 30 glucides, c'est pas mal ça. Allez hop, je prends celle-là. Là, il n'y a rien, stylo, papier, on peut rien inspecter, il n'y a rien dessous. Un sac, peut-être qu'il y aura, ouais. Bœuf en boîte, ouais. Ok, il n'y a rien, 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 rien. Dernier transport, midi. Ok, là, il n'y a rien non plus. Et, ah, voilà ce que je cherchais. Le café instantané, bien sûr. Mais non, c'est la carte. Waouh, ça y est. Alors, voyons voir cette carte. Je sais pas où on est. On est là. Voilà, c'est bon. Et là, on est en. 26, 34, 26, 34. Donc on est à ce camp ici. J'étais là. Ouais, c'est ça. J'étais là. Il me faudrait pousser davantage à l'est pour aller voir ce fameux A1 ici. Ouais. Donc je suis revenu. J'étais par là. Je suis revenu sur mes pas jusque là où il faut utiliser le pistolet grappin. Je suis descendu. J'ai foncé vers le sud-est là. Et je suis enfin arrivé là. Il me dit sans arrêt, carte nouveau lieu. Ouais, non, bon, ça, il n'affiche pas plus. Tout ça, j'ai découvert. On vient d'ici, je vous rappelle, l'île aux bois. Et là, c'était au tout départ. D'accord. Donc, on est ici, on est en 26-34. Plutôt 33, je dirais. Ouais. Ok, bon, ben voilà, c'est la carte que je cherchais là, comme un fou depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Alors, il va faire nuit, bien sûr. Des larves, non, on va pas les manger. On va se faire un abri quelque part par ici, je pense. Est-ce que je vais pouvoir construire une structure en bois? Ouais, ici. Alors là, je vais peut-être la déplacer, sinon on n'aura pas d'eau. Oh, une banane à pourri. Voilà. La carapace, on la met là. Ok. Et normalement, je vais pas vous embêter avec ça, mais j'ai coupé déjà des troncs, ce qui va permettre d'avancer un peu plus vite. Voilà,
Je dois avoir également pas mal de longues branches qui traînent dans le coin. Non, j'ai pris des larves. Deux. J'en avais coupé d'autres. Le tout, c'est de les retrouver. Il y en a une là. Trois. Et il y en a une quatrième, je pense, par là. Alors, on la voit pas. Voilà. Hop. Hop, voilà. Alors là, on va sûrement le faire en feuille de palmier, le toit. Allez, vite, vite, vite. Là, feuille de palmier, ouais. Ok, comme ça on pourra faire. Ça y est, la nuit est tombée. Oh, ça tombe à une vitesse ce truc-là. Ma hache est encore bonne. Allez, on ramasse tout ce qu'on peut. 4. Voilà, 6 déjà. Il va m'en falloir un peu plus. Voilà, alors encore une là. Là, il m'en manque 6. Donc, il faut encore aller couper le palmier là. Bon, pour dormir, c'est pas trop le souci. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est déjà bien. On va faire un petit feu ici. On est au centre, c'est bon. Je dois avoir, je pense, suffisamment de bois sur moi. Et on va vite allumer le fuego. Hop. On a plein de feuilles séchées. On a encore un peu d'énergie. Ça roule. Voilà, on a les braises. Par contre, ah, je n'ai plus de. Ah ouais, en fait, j'avais la viande de la tortue, là, de la tortue que j'avais tuée. On va la faire juste cuire comme ça. On a de l'eau potable, hein. Ben, c'est bon, je vais boire. Ok, 45 hydratations, j'en avais grandement besoin. Et je peux même remplir mon bidon ici. Voilà, on est remonté à 180. Ah ouais. Il n'y aurait pas une autre tortue qui traîne, mais je crois que pour l'instant on va aller dormir. On doit avoir le coco plein. Ah, il manque un petit peu de protéines, un petit peu. Ouais, d'accord. Donc là, on va pouvoir manger quelques bananes avant qu'elles pourrissent. Un petit peu de lipides. Voilà. Là, je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Il manque juste un peu de protéines. Là, ça apporte 36 de protéines. On va plutôt se faire la viande de la tortue, qui va pas tarder à être cuite. En attendant, on peut ramasser les bâtons pour le lendemain, quand il faudra réalimenter le feu. Hop, allez, il y en a plein partout qui traînent. Voilà, on est 10, on va récolter cela. Et puis, on ira dormir parce qu'il fait nuit. La viande n'est pas tout à fait cuite. Des fois qu'il y a encore une tortue qui traîne dans le coin là. Alors, il y aura peut-être un crocodile, je sais pas. Mais bon. Une tortue, non. Pas de tortue à l'horizon. Les grenouilles. Les crapauds. Ça se mange le crapaud? Non. Il n'y a rien de spécial, quelques champignons ici. Là on est full, on va récolter des petits bâtons. Voilà, et je pense que la dame de la tortue doit être prête. Ouais, t'es un peu crevé mon gars là.
Ça y est. Ok. On la prend. On la mange. 48 de protéines et 15 énergie. C'est pas mal. On va réalimenter un petit peu le feu. Et puis, on va aller dormir. Voilà. On est largement bon. Je vais même déposer tout ça ici. Voilà. Ça va nous alléger. Bon, on fera le tour quand il fera jour. Là, je vais aller dormir. Il faut déjà que je retrouve l'endroit pour dormir. C'est par là. Voilà, on se retrouve au petit matin. Et voilà, c'est le petit matin. Alors, je suis là et j'aimerais bien aller voir sur l'île qui est juste à l'est, par là-bas. Ok, bon, comment on est là? On manque un petit peu de glucides. Qu'est-ce qu'on a à manger là? Glucides, j'ai ces champignons là. Ouais, on peut les manger. Là, ceux-là, ils sont bon, encore 5 heures, zut. Bon, il me reste du lait en boîte. Ok, pas mal. Allez, on va laisser tout comme ça. Je vais prendre. Il n'y a pas d'eau dedans. Il peut plus, au fait. Il va falloir partir vers l'est. Donc, on va les faire. On va les voir par là. Alors, l'est. Il va y avoir une grande île quelque part, droit là-bas. Bon, on risque de croiser un caïman. J'espère que ça va bien se passer. On va aller voir là-bas. Bon, jusque-là, tout va bien. On est où là? Est-ce que je suis sur l'île où il y aurait éventuellement quelque chose? Peut-être pas. Là. C'est l'île qui est là. Je vois pas de caïman. On y va. Je pense qu'à la nage, il serait plus rapide que moi. Voilà. Donc là. Je découvre un nouveau lieu. J'espère qu'il y aura des trucs intéressants. Ben, c'est pas gagné. Non, non. Là, il y aura peut-être des champignons bleus ou des noix. Rien du tout. Que dalle. Ah ben, c'était bien la peine de venir là. Bon, au moins je serais passé par là. Ok. Bon, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est revenir sur l'île aux serpents. Et il n'y a pas les fruits, non, c'est un toucan mort. Alors, l'île aux serpents. Il va falloir revenir, je sais pas trop par où. Donc là, il me faut revenir vers l'ouest. Bon, on va aller là. Voilà, ça c'est bon. De l'eau. Ouais, je vois les cabanes là-bas. Comment on va faire pour revenir? J'en sais trop rien. Je vais peut-être repartir par les mêmes chemins. On dirait qu'il va pleuvoir, j'entends l'orage. On va voir la carte.
Voilà, je suis revenu là. Ok, ça m'avance bien. Je vais peut-être, en attendant, tant que je suis là, déposer ça par terre. Voilà, si ça peut se remplir un peu. Le temps de regarder la carte. Oh, je suis là. Bon. 25-34. 25-34. Il faudra aller vers l'ouest, trouver le passage là, remonter, et puis me frayer un chemin jusque l'île, elle est là. Elle est sur l'autre carte. Voilà, ici. Bon, donc on part vers l'ouest, un petit peu au sud, et on va essayer de remonter tout ça, si j'y arrive, je sais pas. Ok, on va boire un petit peu. Voilà, on prend ça. On n'a plus rien à faire ici. Donc, on part vers l'ouest, c'est-à-dire par là. Allez, vas-y. Alors, apparemment, il y a un chemin. Et là, on ne peut pas monter. Ah. J'ai un peu l'impression qu'on va devoir tourner, retourner vers là où on était. À moins qu'il y ait une grotte ou quelque chose comme ça, mais je pense pas. Là, c'est la falaise avec l'eau. Donc de ce côté-là, ça sera peut-être un peu difficile pour passer. Ouais, je crois que j'ai pas trop le choix que de repartir pratiquement de là par là d'où je viens, quoi. On va longer la falaise de ce côté. Donc là, ce chemin, ben, ma foi, il est foutu. Bizarre ça, qu'il y ait un chemin qui mène ici et qu'il n'y ait rien pour monter. Bon, ben, on va passer par là. On sera peut-être obligé de passer par l'eau. Ouais, voilà. On va aller en face, là-bas. Ah, une tortue. Ah! Je vais la laisser tranquille. Il va falloir nager, ça. Il n'y aura pas trop le choix. Tiens, des fruits. On va passer par le bord là. Il va peut-être y avoir un caïman, je sais pas. C'est là qu'on peut monter, je crois. Allez, on quitte la zone marécageuse. Voilà, deuxième grappin ici. Ok, on est à 27-31, ce qui nous place ici. Alors là, j'ai peur qu'on ne puisse pas passer. Ça va être embêtant, ça. Il faudrait partir vers le nord et un peu le nord-ouest là. Ouais. Mais le nord, c'est là-bas. Donc il va falloir qu'on trouve un chemin pour repartir au nord. Oh, une araignée. J'ai vu tomber des noix. Jusqu'à ce que je vais manquer d'eau. Alors là, bien sûr, on ne va pas pouvoir passer.
Ouais, je suis obligé de suivre là, mais ça m'embête un peu. Là, peut-être. Non, si. Les passages. Tout ce qu'on peut pour bouffer. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a encore un passage là-bas, je crois. Ça va vers le nord à peu près. Ok. On est en 30, 34. Donc on a bien avancé. 30, 34. On est par là. Ah. Il faut vraiment continuer vers le nord. Ouais. Vers le nord à fond. Non, je croyais un passage là, mais non, ce n'était pas un passage. Il n'y a rien pour grimper, il va pleuvoir. Bon, donc on continue par là. Alors, on est carrément à l'opposé, on va vers le sud. Et là, voilà là où j'étais, le grand camp abandonné. Ah. Donc si tout va bien par là, tiens, on va la boire, on va la récolter et on pique ça au passage. Alors là, normalement, il y avait, voilà, il y a ma hutte ici. Peut-être qu'il serait prudent de ne pas trop s'aventurer très loin. Parce que si je descends en bas, est-ce que je vais pouvoir en ressortir? Je ne vois rien comme passage si je descends. Donc j'ai bien envie de continuer par là, quelque part. Et moi, il me faut revenir là-haut. Là, il me faudrait passer par là. Là, il y a peut-être une tribu, là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. 31, 34. 31, 34. Là, il me dit que je suis en bas, quoi. C'est ça qui est bizarre. Sinon, tant pis, on va continuer hein, vers le nord-ouest. Mais il se fait peut-être tard. Là, il est quelle heure? 17h25. Ah ouais, ça va pas là. Ça ne va pas. Je vais retourner en bas. Et je pense qu'il y aura un moyen d'en sortir quand même. Lorsqu'il fera meilleur. Je vois des champignons là. Et il y a peut-être une bestiole. Ouais, là. Non. Non. Là, je le vois. Mais il ne fallait pas qu'il parte avec ma lance. Ouais, il y en a deux. Ah, il est parti avec ma lance. Oh, j'ai perdu ma lance. Il doit pas être très loin, hein, le cochon là. Il est mort quelque part par là, mais. Hop. La nuit commence à tomber. Et je ne sais pas où il est. Oh là là là. Moi, je récolte des ressources là, mais voilà, il va falloir sûrement allumer un feu. J'entends les bestioles autour de moi, mais l'autre il s'est barré. Il a dû crever dans un coin, mais je sais pas où.
On n'y voit plus grand-chose. Alors, j'ai fait le plein d'un petit bâton, je n'y vois rien. On va revenir par là. J'ai vu tomber des trucs là. Ah, une noix d'Amazonie, c'est bon ça. Il n'y aurait pas des champignons bleus là? On va ramasser la corde. Notre noix d'Amazonie ici. Là. Très bon. Très bon pour l'énergie. Ouais, super. Ok. Bon, alors, j'arrive plus à rentrer là. On va prendre la pierre. Alors là, c'est un serpent, je le vois pas. On peut passer là? Non. Oh. Voilà, c'est par ce côté que j'étais arrivé. Ok, j'avais déjà construit ça, donc c'est pas mal. On peut dormir, on peut refaire un feu. Je pense qu'il va me manquer du bois, j'ai quelques os. Là, j'ai des cendres et du charbon, donc ça sera très bien pour entretenir le feu. On va positionner ici ce qu'il faut pour passer la nuit. Voilà, j'ai même des bols de noix de coco sur moi. Alors, il fallait que je trouve un peu de bois. Et parce qu'il va me falloir faire. Ah, par où on peut sortir par là. Par où on peut sortir. Il n'y a pas une sortie de l'autre côté là. On n'y voit vraiment rien. Non, là on ne peut pas passer. Ah ouais, il faut faire carrément le tour quoi. Ok. J'ai des bestioles sur moi. Ok. Bon, on a encore un peu d'énergie. Je voudrais trouver du bois, mais pas des bananiers. Il faut que je me refasse une lance, voire deux. J'entends les cochons là. Allez, profitez-en tant que j'ai pas de lance. Ah, il me faut refaire tout le tour de l'autre côté là-bas. Alors, ça, on va fabriquer. Ah, mais il va me falloir peut-être. Ouais. Deux pierres. Faire une pierre affûtée. Et avec ça et ça et une corde, on va pouvoir. Non, pas celui-là. Le long bâton, voilà. On va pouvoir s'occuper des cochons. Ok, c'est un 1. Il doit être tout près, mais. Il fait nuit, je le vois pas, il a eu peur. Bon. Alors, on va récupérer. Là j'en ai 6, bon ça me suffit pour allumer le feu. Sûr qu'il y a plein de cochons là. Tiens, encore un os. Ils sont loin. Là il y en a un tout près là. Ah, il a eu peur. Il y en a un là. Voilà. Lui, je l'ai eu. Hop, on le récolte. On va allumer le feu. On fait cuire tout ça. On mange un bon beefsteak. Oh là là, pas de place dans un sac à dos. J'espère que c'est juste des os
Ouais, c'est bon, j'ai récupéré la graine de pécari. Ok, là, j'avance plus. Je suis un peu lourd. Je vais peut-être jeter les os. Les os, je n'en ai pas forcément l'utilité parce que j'en ai plein de l'autre côté là-bas. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de bois, j'ai un tas de trucs. Comment je suis là? Il me faudrait un peu d'eau, de lipides, de glucides. Donc, on va en profiter pour manger les fruits avant qu'ils soient pourris. Voilà. Ça fait boire en même temps. Les noix inconnues, oui. On va manger quelques lipides. On est toujours à 51 kilos. On va boire un coup ici. On va récolter ça. Ah, on est un peu sale, zut. Récolter. Je vais le manger. 50. 49,9. Alors, je peux peut-être. Ouais, c'est bon. Ah, ben voilà, j'ai une indigestion. Donc il me faudrait des champignons rouges. Il n'y en a pas là, c'est. Voilà, c'est bon. Je n'ai plus l'indigestion. Bon, on a ramené pas mal de choses. On voit bien avec le clair de lune là. Hop. Ok, on allume le feu. Il n'est plus qu'à 22% l'allume-feu tribal. Allez. J'ai pas beaucoup d'eau, c'est vrai. Là, je pourrais déposer dessus. Non, je vais garder ça pour la boisson. Je vais plutôt mettre un truc là, un truc là. Il m'en reste de l'eau. 60. Donc, je peux en mettre 10 là, 10 là, et faire cuire au moins deux soupes de comme ça. Là, les champignons, 22 heures, un jour. Celui-là, 21 heures. Les autres, 20 heures. Ok, ça périt pas. On va boire ça. Et on va faire cuire l'autre morceau. Voilà, comme ça. Ok. Je vais en profiter pour déposer à l'extérieur si jamais il pleut. Eh bien, qu'on puisse avoir un peu d'eau. Ouais, j'entends l'orage qui arrive. Voilà. Ok. J'ai plus de morceaux de barbac sur moi. Non, c'est bon. Là, eux, ils périment dans 8 heures, zut. Et ça enlève les parasites aussi, c'est parfait. Donc ça apporte 16 glucides, 8 hydratations. Bah c'est bien ce truc-là. Ah, zut. Ah oui, c'est vrai, je suis sale. On va manger ça, c'est bon, ça y est. Le fait de rester sous la pluie, ça va me lave. Voilà. Et ben, je vais aller dormir sous un hamac là. Et puis, on continuera l'aventure demain. Il faut aller vers l'ouest. Donc, par là. Ah, quasiment la sortie là. Ok, on va suivre ce chemin. Si on regarde la carte, le temps qu'on se lave là, vers l'ouest, ça va amener par là. Ouais. Faudrait presque que je monte au nord, en fait, et que je suive toute la bordure là pour voir si on peut pas monter et passer par là. Ouais. Faudrait peut-être faire ça. Monter au nord et suivre la bordure vers l'ouest. Bon, on n'est pas tout à fait lavé, il en manquerait pas beaucoup. On a un peu d'eau dedans que je peux peut-être récupérer là-dedans. 52. 62. C'est bon, il risque de repleuvoir. Là, la viande, elle est comment? Elle est cuite. On va éviter de la faire cramer. On va rajouter un peu si j'ai un peu de bois. Oh, j'ai du charbon aussi. Voilà, on met ça. Je vais dormir et on se retrouve plus tard. Non, on va se retrouver même sur le prochain épisode pour essayer de sortir de ce camp. Allez, portez-vous bien les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.